Oui, bonjour Monsieur Dago. Oui, bonjour ma chérie, comment tu vas? Oui, ça va bien. Okay. Vous êtes dans quel champ? On est dans le champ de cacao, hein? C'est la petite cueillette. Donc je suis avec mon fils, Simon. Oui. Celui qui m'aide en train de cueillir un peu les noix de coco. Je dis les noix de coco. Les cacao. Le cacao. C'est la petite récolte. Ah, donc actuellement, oui. Tu vois que tout ce qui est mûr là, on est en train de cueillir ça. On profite aussi pour enlever aussi tout ce qui est noir. Vous voyez, tu vois, les petits comme ça, ils n'ont pas atteint la maturité et puis ils sont déjà rouges. Donc ceux-là, il faut pendant qu'on cueille ce qui est mûr, on profite aussi pour enlever ce qui n'est pas bon. Normal. Voilà. Donc, vous êtes avec qui dans le champ? Oui, je suis avec Simon. Simon, je l'appelle mon fils. Oui. C'est mon travailleur. Oui. Et c'est un petit qui est vraiment très courageux. Simon, ça va? Oui, ça va. Oui. Comment se passe le champ? Le champ se passe bien. On est venu cueillir les cabosses de cacao. Ah, c'est gentil. Vraiment, merci pour le travail. Ton travail est propre. Vraiment, ton patron, il est content de toi. Parce qu'il ne fait que, parler bien de toi. Le champ est propre. Et les cabosses aussi sont bien propres. Ah. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la petite traite. Donc, on vient. Tu vois là, comme cacaoyer nu, on enlève tout ça là. Oui. Voilà, ce n'est pas encore tout qui est mûr. C'est vrai que les animaux nous fatiguent un peu. Oui. Mais ça fait partie de la nature. Avec les écureuils. Les écureuils. Il faut lui montrer. Tu as vu ça par exemple? Oui. Les écureuils ont mangé ça. Et les écureuils qui ont bouffé ça. Tu as vu ça? C'est pas joli à voir. Mais c'est pas grave, tout cela fait partie. Ça fait partie de la vie. De la vie, c'est ça. Ce qu'on gagne, c'est pour nous. Oui, ce qu'on gagne, c'est pour nous, c'est ça. C'est ça. Et filmer un peu les cabosses. Voilà, tu vas voir ça. Oui. Non mûres. C'est pour cela que on appelle ça la petite traite. La petite traite. C'est la petite traite. Voilà. C'est au temps de nos parents. C'est à cette saison-là qu'on payait la scolarité des élèves. Les élèves. Voilà, à cette période-là, c'est la période de la rentrée. De la rentrée. Donc, on fait la petite cueillette comme ça. Oui. Et puis, quand on vend, ça permet aux parents. Ça, ils ont bouffé. Oui, je vois ce que les écureuils ont. Oui. S'occuper de la rentrée des enfants. Oui. Regarde par exemple ici. Oui, je viens. Tu vois ce pied là? Oh, c'est beau, voilà. Comme c'est beau. Joli. Monsieur, tu as de la chance. Tu sais, il a beaucoup de cacao. Oui. Voilà, tout ça beaucoup de cabosses, hein. Oui, c'est joli. Bien joli. C'est joli comme... à voir. Voilà. Donc, la petite traite. Oui. On fait comme ça. On enlève tout ce qui est un peu mûr. C'est que la grande traite, là. Oui, la grande traite. Ce n'est pas petit, hein. Oui, c'est comme ça. Les cabosses là sont bien en forme. Oui. Mais il faut les entretenir. C'est ça, ton travailleur, il est courageux. L'engrais. C'est pas un paresseux. Je paye régulièrement l'engrais. C'est ce qui fait que tu vois les cabosses comme ça. Oui. À chaque fois quand il m'appelle, il me dit patron, on doit payer engrais. Engrais. Et on paye. Oui. Bon, tu vas voir ici aussi. Là, les cabosses aussi. Oui. Comme lui, là. Voilà un pied comme ça. Waouh! Comme c'est joli! Quand tu tombes sur un pied comme ça, c'est la joie! Ouais! Parce que là, tout est mûr, puis c'est joli! C'est joli à voir! Il faut entretenir! C'est ça, c'est l'entretien! Il faut que tu entretiennes! C'est l'entretien! Comme ça! Donc, c'est pour ça que nous sommes là! Oui! Je devais aller un peu plus tôt! Mais il faut aider mon fils. Oui, il faut l'aider, il faut l'encourager parce que le travail. Son travail est propre. Il faut l'encourager. Tu peux le laisser comme ça. Oui. Tu es parti. Oui, c'est ça. Donc, je viens
Okay, bientôt on va partir. Oui. Mais si je l'ai aidé comme ça, il est content. Oui, il est content. Ouais, c'est pas tous les patrons. Mon patron est venu au champ. Et le patron. On a coupé les tabacs. Quand ils viennent, eux, ils sont au village. Non, hein. Non, non. Et se repose. Je suis un fils de planteur. Voilà. Il y a malaria qui fatigue cacao là. Il faut qu'on trouve un médicament pour pomper. Ouais. Il faut lui expliquer ça. C'est quelle maladie? Hein? Quelles sont ces maladies? Un petit bête qui rentre dans le cacao là. Il bouffe. Après, cacao là, ça meurt. Le cacao lui-même, il meurt. Oui, oui. Bon. Et le médicament? Tu connais le médicament? Oui, oui. Hein? Ah d'accord. Donc on va penser à ça. On va penser à ça parce que le champ. Dans ce mois, il faut qu'on pompe. Ce mois là. Dans ce mois là. On va penser. Hein? Tu vois ça? Donc, ça les bêtes là, qui gâtent ça. Ça devient mûr. C'est pas mûr, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Les bêtes là qui gâtent ça. Faut qu'on prenne des médicaments pour pomper. Faut qu'on pompe. Ça sera propre. C'est ça que tu me parlais là, non? Oui, oui. Faut qu'on pompe ce mois. Dans ce mois là. D'accord. Quand on va faire la petite récolte qu'on est en train de faire, si on a fait la vente, tu vas bien m'expliquer. Si on va acheter les produits pour pomper, hein. Comme ça, on va gagner un peu plus. Et puis, à cause de la fraîcheur, on pompe, sinon les petits qui donnent, ça mûrit. Oh, ils ne sont pas formés. Oh, quand ils mûrit, au moins, ils ne sont pas formés. Bon travail. Merci. Merci, Simon. T'as vu? Et ce pied-là aussi est rempli. Oui, mais c'est... Rien n'est encore mûr. Oui. Mais ça va atteindre la maturité. Oui. Cool. Comme ça. Là, tu vas voir que c'est un. Ils sont mis. Simon, voilà un là-bas. D'accord. On a qu'à venir vers comme ça. Vers où ça, comme ça? D'accord, d'accord. On va laisser la machette de l'autre côté. Ok. Donc, tu as laissé ta machette là-bas? Monsieur est grand, hein? Toi, tu vas faire ta machette, hein? On laisse pas machette comme ça, hein? Mais tout ça, c'est pour rien. Non, je te comprends, il n'y a pas de problème. Mais c'est... C'est vers où ça? C'est vers en haut là-bas où on était premier là. Où on s'est assis là? Non, où on est quitté là, on s'est levé là, deuxième tour là, où il a allumé la caméra là. D'accord. C'est là-bas, c'est... D'accord. C'est... D'accord. D'accord. Où il a allumé la caméra là. D'accord. Donc on passe comme ça. D'accord. Donc enlever cela d'abord, non? Oui, oui. Ok, puis on avance. Oui. Merci, Simon. Le champ est propre, hein? Oui, c'est propre. Ton travailleur là, c'est un bon travailleur. Oui, c'est comme ça. C'est pas le seul chien qu'on va avoir. Non, c'est pas le seul chien. On attend Antoine, puis on fait un peu de VA. Et VA est déjà là. On a déjà commencé, mais il faut continuer. Il faut continuer. Là, il y a quelques tabacs sur lui. Tu vas les enlever. Oui. Tu vois ici là? Oui, je vois. Les tabacs sur lui ici. Tu vois là? Les tabacs sur lui. Il faut enlever les bananiers aussi dedans. C'est comme ça. T'as vu tout ça? Il faut enlever. On va pomper comme il a dit. Hein. Oui. Les bêtes là, sont en train de tuer. Les bêtes là, je ne joue pas avec. Voilà, c'est comme ça. Donc vraiment, merci. Vraiment. La première séquence. Merci beaucoup.